Nouvelle semaine de sport sur Télé Soleil. Salut tout le monde et bienvenue dans Hola Football, notre première sortie pour cette semaine. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'être avec vous, mesdames, messieurs, pour nous commenter pour l'actualité sportive week-end qui était extrêmement riche, que ce soit Copa América, Euro 2016 ou bien tout simplement la Ligue des Champions de TV finale. Là, salut Wilgens, bienvenue mon cher et bonne semaine. Bonne semaine à vous-même Pierre-Richard, bonne semaine à tout super branché. Chaîne 25 yo, Télé Soleil, ou dit nouvelle semaine de sport, eh bien, nouvelle Coupe d'Europe pour le Real Madrid de samedi dernier qui sacré champion après un match qui finit un goal partout. Dans le tir au but, c'est Merengueo qui gagne 5-3 avec un dernier tir au but transformé par Cristiano. Bien évidemment, on a intéressé d'abord à Haïti, côté sélection nationale noire, qui qualifiait pour Copa América déjà en concentration et environ une vingtaine de joueurs déjà retrouvés. Équipe là qui a préparé à Floride aux États-Unis. N'a bien pour nous communiquer au liste complet, monde qui est déjà présent. Ça bien pour arriver tout détail comment préparation a fait. Et puis, bien pour t'aider, il y a une déclaration du 15 nous avons fait dans la micro-fédération, bureau communication, fédération haïtienne football. Et puis, nous avons retourné sous liste 23, Patrice Neveu. Côté, nous connaissons Babalito, qui c'est Rodensky, cher enfant, pas fait partie de liste là, avec tout Sébastien Turrière. Il part dans 23, il est dans la liste réserve là, il y a Sébastien Turrière et Ricardo Adé, défenseur Don Bosco, lui-même tout, qui fait partie de la liste réserve là. On a gagné dans l'édition ça pour nous présenter au nouveau maillot sélection nationale là, maillot Grenadier au Pral Poté aux États-Unis à partir du 4 juin prochain. Le a gagné pour jouer match par premier match de notre compétition contre le Pérou. Et puis, en fait, à l'étranger, toujours dans la Copa América. D'abord, pour nous parler de Luis Suarez, hier dans la Coupe d'Espagne, dans la finale là, qui est blessé contre le FC Séville. Bon, ça, c'est tout, profitez champion. Bien évidemment, Cristiano Ronaldo qui est blessé à l'entraînement, je dis, en tout cas, selon ça, il a annoncé, c'était pas grave du tout, mais Cristiano était obligé de camper l'entraînement après le défini recevoir un coup dans un choc avec Dani Carvajal et puis goalkeeper. Kiko Cassia n'a bien, comme nous te promettons hier, pour nous, ouais, souliers spécial que Nike est préparé pour Cristiano Ronaldo qui a joué Copa América, alors Coupe d'Europe qui a venu dans le pays, la France à partir de 10 juin prochain, n'a bientôt pour aller en France. Et Raphaël Varane, jeune défenseur français, c'est officiel. Il est forfait, il n'est pas capable de participer dans la Coupe d'Europe des Nations. Il était blessé à l'entraînement, donc la pratique finale Ligue des Champions en samedi, la pratique tout, phase finale Coupe d'Europe des Nations. C'est Adil Rami qui a rappelé un renfort pour capable de remplacer Raphaël Varane. Et comme chaque jour depuis la semaine dernière, nous pourrons aller dans une nouvelle base. Fois ça, nous pourrons aller à Delma 33 pour nous voir position fanatique football sous participation Haïti dans la Copa América. Nous connaissons Haïti, c'est fanatique Brésil, fanatique Argentine et fanatique Haïti, mais franchement, fois ça, me senti quelques divisions. Division entre fanatique Brésil, en fait, haïtien qui fanatique Brésil, qui équipe pour le supporter, est-ce que c'est Brésil ou Haïti? Nous pouvons connaître, mais Brésil, lui-même tout est en amical contre Panama, il gagne 2-0, d'ailleurs, grâce à Jonas et Gabriel. Au Brésil, très quelconque, nous pouvons pour nous commenter pour vous. Et puis, est-ce qu'on te connaît aujourd'hui à pour permettre nous connaît depuis qu'il est et championnat Copa América, une formule que nous connaissons habituellement là, 12 équipes à savoir, 10 pays à Sud plus 2 invités qui sont aussi dans le CONCACAF là, même l'édition spéciale ça, a gagné 16 ans. Le temps d'une pause, Wilgens n'a pas tourné tout à l'heure pour développement.ca avec un pilote, mesdames, messieurs, sous Télé Soleil dans Hola Football.